Et Maxime Blanc maintenant, avec le décalage pour Pagery, le bon centre, la tête, oh, c'est sur la barre transversale. Allez, le dégagement là, et on le disait, Dani Zayamo qui est intéressant à chaque fois, ouais. Et Barthélémy là, qui a réussi à passer. Qui est passé dans la surface, oh, le centre avec la reprise, et ça passe à côté. Cette frappe de Steve Chamal qui passe juste à côté. Bien le tirer, et on va jouer vite à deux. Avec Maxime Blanc, il me semble. Pagery du pied gauche, c'est bien fait. Ça passe devant tout le monde et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Villefranche. Un joli 2 contre 1 joué. C'est dommage qu'on n'ait pas mieux exploité cette occasion. Allez, Nani Zayamo dans la surface de réparation. Peut-être qu'il arrive à se libérer de Quentin Lacour qui remet la reprise de volée. Barthélémy, l'égalisation. L'égalisation pour QAM. Ça fait un but partout, Nicolas Barthélémy, deuxième titularisation cette saison avec Yann Bénédic et Arnold Lem qui va appeler ce ballon. Bénédic pour Lem, c'est bien fait, ça passe devant tout le monde. Et Louis Souchot qui peut s'emparer de ce ballon. Et après la mi-temps, on ira faire un retour sur tous les stades de cette 27e journée. Voilà, elle est sifflée cette mi-temps. Queville, Rouen Métropole 1, Villefranche 1. Direct rentrant du pied droit, c'est bien parti, la tête et le but, le deuxième but pour Villefranche sur ce corner, un nouveau coup de pied arrêté avec le ballon qui finit au fond. Allez, on surveille tous les acteurs là, ça vient couper la déviation, pourquoi pas peut-être la reprise de Pierre Hertel, elle est belle, la reprise, elle est déviée, le troisième but pour Villefranche, signé Pierre Hertel. Ça commence à être lourd là pour les joueurs de QRM. Bon, attention là encore, Brighton Labo qui part au but. Le crochet, il est bien fait, on est rentré dans la surface, la frappe de Labo, ça passe juste à côté. Attention, on va essayer de jouer hors-jeu. Valère Poller, on dépose le ballon pour Barthélémy, c'est bien fait. On l'a sorti d'Alexis Sauvage devant Richard Samnik. Et on se félicite. Hein. Et c'est terminé. La victoire, 3 buts 1 de Villefranche face à Queville, Rouen Métropole ici à Robert Diochon.